Love you. C'est beau. Il attend qu'on lui donne quelque chose. C'est pas bête. Hein. Tiens. Tiens. Il y a un peu ça sur là. Ah, il y a des poissons qui devraient venir. Donne le canard. Hop là. Ah, t'as vu ça, hein, chérie? Ouais. C'est quoi comme poisson? Non, faut le jeter plus loin, je pense que c'est des poissons qui mangent. Tiens, il est là. Loin, loin. Et puis il y a le collègue là-bas aussi. Oui. Ah, bah, il est là. Oh la vache. Un poisson, regarde. Un petit poisson. Un poisson. Ah non, j'ai pas à manger, hein. Y a pas à manger là. Non. Ah non, 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 non. Tu prends pas là. Caché. C'est caché. Attention, il vient vers toi. Ah ouais, si. Attends, oh, il va être content. Oh là, l'autre. Elle s'est recrachée. Oh, tu Non, mais. Ah, puis il y en a un autre ici. Mais mets là. Oh là là. Vas-y, prends. Oh, attention, attention. Hé, doucement. Non, non. Il y en a plein là, par contre. Ah, attention. J'ai attaqué avec les deux. À moi, attends, j'en peux pas vous voir. Hop là. Oui, oui, j'arrive. Attends. Je te donne. 2 minutes. Je te donne. Le pont que la rouge est joli ça. Je oui. J'en ai pas autant que lui, mais je crois. Les fonds hydropos sont les merci de ne pas les toucher, vous les condamneriez. Oui, parce qu'on aura l'odeur, notre odeur sera sur eux. Ouais. Et leurs parents. Voilà. Allez, Flamand, viens, c'est côté de moi. Viens, après ta mère. Oh, il est beau. Il est en plein nettoyage. Ouais, c'est lui, le petit bébé. Oh, il est entre nous. Oh, il ne sait même pas marcher, il n'y a pas tant qu'il y ait des soucis. Non, il vient de mettre les pommes. Ah ouais. Oh, il y a encore le machin sans dos. Je crois qu'il sait, non. Oh, il a mis un truc. Il va enlever les têtes. Oh, il n'est pas en train de chaîner, ça regarde. Comment ça marche. Normalement, il doit être haut ses pattes. Mais ils sont petits, hein. Ils sont petits, ils sont petits aussi. Ouais. Non, bah, on en a plus, ouais. Ouais.
Non, moi je suis bien. Oui, c'est fou. Hein. Oui, on peut donner, ouais. Il est trop mignon. Il a l'air tout triste. Ah bah non, même pas, lui il est poli. Hein. Je dis non, il a assez mangé. Oh, regarde les bras comme ça. Je veux pas la manger. Je suis distinguée. Ouais, regardez-moi de près. Oh Coco, ah vraiment. Hein. Oh, t'as peur? On peut se reculer un peu. Il y a pris le bec de goéland de l'autre, il y a pris le bec de goéland de l'autre, il y a pris le bec de goéland de l'autre, il y a pris le bec de goéland. On dirait qu'ils sont un peu bateaux. Non, elle m'a dit, elle m'a dit comme ça. Et vous êtes que ça là, ça fait vraiment dire la chose parce que c'est pour les gens qui jouent. Le bruit, c'est là que je Si on a des barrières, c'est que c'est pas pour rien.
Je sais pas trop si ou c'est une espèce d'oie peut-être. Tu es quoi toi, une oie? Et toi le petit oiseau là? Ok, j'arrive. Il fait la course celui-là. Il est chaud. Ah bah oui, il doit avoir chaud. Ouais. Voilà le poisson, regarde. Le gros poisson. Ouais. Oui. Bah, il y a Marie-Lou aussi. Presque 25. Ça serait nickel. Ouais, bon, on va faire celle-là. Dans les oreilles, c'est tout encore Je sais pas combien de litres d'eau il lui faut, mais dans la journée, c'est pire que moi. Ouais. Voilà. On dirait qu'il a. On a pré-découpé, tu sais. Oui, c'est une carapace. C'est incroyable. C'est un sacré animal, ouais. On dirait pas un dinosaure. Oui, ça a peut-être survécu, hein, avec les, enfin, les dinosaures sont morts, mais eux. C'est peut-être un descendant, quoi. Tu sais, des triceratops. Oh, c'est bien. Ceux qui ont des gros trucs. Ah ouais. Derrière. Tu crois? Bah, y en a un qui a des cornes, enfin des. Ah oui, des ah bois. Oui, c'est vrai. Ou alors c'est des jeunes mâles, ils n'ont pas encore les bois qui poussent. C'est possible. Ça a l'air d'être des filles, ça. Il doit être comme un fier, un pan. Le seul mâle du groupe, ça durait. Ah, mais en fait, ils sont là, des cerceaux. Proposition gagnée. C'est une chouette de l'Oural et comment fait-on pour la reconnaître, pour ceux qui n'ont pas osé voter ou ceux qui se sont trompés? Ça va être au niveau de la tête. Si vous regardez, notre chouette, elle n'a pas d'aigrette, elle n'a pas deux petites touffes de plumes sur la tête que les hiboux, eux, ont. C'est comme ça qu'on va pouvoir les différencier. Donc un rapace nocturne sort énormément la nuit. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que déjà une grande partie de ses proies sortent la nuit, tout ce qui est petits lapins, rongeurs. Et aussi, ils aiment bien manger d'autres oiseaux, et les oiseaux diurnes, bah, quand c'est la nuit, ils essaient de trouver une petite cachette, un perchoir, et vont essayer de passer la nuit là, en espérant voir le lendemain arriver. Parce que s'ils croisent une chouette ou un hibou, les pauvres risquent de se faire manger. Alors, je vais éteindre mon micro pour essayer de l'attirer. Donc, pour chasser de nuit, elle a plusieurs
des astuces, plusieurs super pouvoirs. Déjà, elle a sa vue qui est exceptionnelle. Ses yeux sont énormes par rapport à la taille de l'oiseau. Si nous, on avait les mêmes, proportionnellement à notre corps, on aurait des yeux qui feraient la taille de pamplemousse. Ah oui. Voilà, des gros yeux, hein, pour les masques de plongée, lentilles et lunettes de soleil, ça serait compliqué. Mais alors, par contre, pour chasser, trouver ses clés le soir, ça serait très très simple. On dirait au moins 10 fois mieux que maintenant. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de lumière. Si cet oiseau, on le met dans une pièce complètement sombre ou lui sans lune, bah, elle aura beaucoup de mal à voir, mais c'est pas grave, parce que son deuxième pouvoir, c'est son ouïe. Elle a une ouïe excellente. Et quand on a une petite souris qui gambade dans les herbes ou les feuilles mortes, ses oreilles ne sont pas exactement à la même hauteur, ce qui lui permet de faire une triangulation, savoir exactement d'où vient le son. Si vous la regardez quand elle passe devant vous, ses plumes autour des yeux forment des disques. On appelle ça des disques faciaux. Et ça, ça va lui permettre d'amplifier le son. Et donc, il va pouvoir voir, entendre sa proie. Souvent, il est dans les arbres. En plus, il a une image camouflage. Quand il est sur une branche ou contre un tronc d'arbre, on ne le voit quasiment pas. Et il va être une sentinelle comme ça. Et quand il a trouvé son repas, là, il va pouvoir décoller pour essayer de l'attraper. Il est complètement silencieux. Ses plumes ne sont pas faites exactement pareil que chez les autres oiseaux. Les rapaces nocturnes ont un petit duvet. La même technique que les martins pêcheurs, hein. Des fois quand on voit un martin pêcheur attraper un petit poisson et qu'il se repose sur son cachoir, il va essayer de l'attraper contre la branche, et eux ils font la même chose, quand ils attrapent des petits martins de lézards, on les voit souvent et on les entend taper leur proie pour les tuer, on va pouvoir les avaler entièrement. Vous voyez, c'est un oiseau qui chasse vraiment énormément grâce à son bec, il va utiliser les autres techniques de chasse. Pour en revenir un petit peu au haras, pour reconnaître les haras des perroquets, c'est très simple. Voilà notre petit perroquet qui arrive. Là, lui, il a un balai très court. Alors, le balai, c'est le long des plumes de la queue. Alors, si vous regardez, tous les haras, eux, ont de très longues plumes à l'arrière. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Parce que des fois, les gens pensent que c'est la taille. Là, c'est vrai qu'on vous présente beaucoup de gros haras, mais il y a par exemple le petit haras noble qui est plus petit que notre gris gamin. Mais aussi autour des yeux, si vous regardez, ils ont tous du blanc. Et ce blanc-là, c'est leur joue, c'est leur peau. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont comme nous, s'ils sont amoureux ou en colère, ils vont pouvoir devenir tout oncle. Donc quand ils sont amoureux, là c'est plutôt sympa, souvent ils ont leur pupille qui dilate, ils vous font des petits sons sympathiques, ça c'est que nous aime bien. Et par contre quand ils sont en colère, là généralement ils sont en train de râler, le bec grand ouvert, et là, vous ne pas les embêter. Alors là, on a des nouveaux oiseaux qui viennent d'arriver. On va essayer de leur faire attraper là encore de la nourriture. Et là si vous regardez tout à l'heure, notre Kookaburra, il l'a attrapé avec son bec. Et vous allez voir qu'ils attrapent plutôt avec leurs pattes. Oui, j'ai bien en manqué un. Il était derrière moi. Et alors c'est un des rares rapaces qui, quand il a attrapé sa nourriture en vol, si vous regardez, hop, là il l'a attrapé, il part et il la mange en volant. Les faucons et pas mal d'autres rapaces, ils vont attraper leur nourriture et ils vont aller se poser dans un arbre au sol pour pouvoir manger. Et lui, bah, c'est efficacité, hein, il n'a pas besoin de faire ça. Et il va attraper, on va l'attraper, pouvoir continuer comme ça, attraper sa nourriture. C'est assez efficace. Et malheureusement aussi, ils sont énormément dans nos décharges. Hein, les décharges à ciel ouvert, ça, ils ont très vite compris que quand il y avait de la mer, il y avait du gaspillage et du déchet. Ramener des déchets pour construire leur nid. Donc voilà pour les 1000 ans, ils vont rester avec nous. Là, on va les laisser essayer de prendre de la hauteur. Peut-être qu'ils viendront nous voir, ou qu'ils nous feront de magnifiques piquets. Ben c'est vrai qu'on est une journée bien ensoleillée, où certains de nos oiseaux peuvent prendre de la hauteur, on va voir si... Et qui aiment bien fouiller dans la vase pour trouver leur nourriture. Et ça va être justement des petits poissons, des petits vers de vase, des insectes. Donc ils raffolent. On a plusieurs sortes d'ibis, on a un ibis rouge, enfin plusieurs ibis rouges, un ibis vert aussi. Enfin, on a une cigogne d'Abdim, c'est l'oiseau un petit peu plus grand, noir et blanc. Okay, cette petite cigogne, une cigogne africaine qui ne fait pas de migration comme la cigogne blanche. Mais là, il est méchant, là. Il est bagarre, hein. Hop.
Alors, les petits oiseaux blancs, là, comme celui que j'ai sur le bras, ce sont des hérons de bœufs. Alors, lui, c'est une des rares espèces de zoos, je veux dire, qui sont plutôt contents du changement climatique et du réchauffement climatique. Ils se sont bien habitués. Avant, il n'y en avait quasiment pas en France, ou un tout petit peu dans le sud. Maintenant, on en a à l'année en Bretagne. Tout simplement parce qu'il s'adapte quand même très très bien. Et celui-là, c'est aussi un ibis rouge. C'est un adolescent. Il est en pleine nuit. Il change, donc au début, ils sont tout marrons comme ça. Et là, il est en train de prendre son pelage d'adulte. Alors, le héron garde-bœuf. C'est présent souvent au bord de l'eau. Et aussi autour des troupeaux. C'est pour ça qu'on l'appelle le garde-bœuf, c'est que souvent il est autour des troupeaux. Et ces troupeaux, en se déplaçant et en broutant, bah, font fuir des insectes. Et eux, ils adorent ça. Et ils sont nourrissent, mais il y a quand même un petit échange. C'est aussi les gardes du corps. Quand il y a un prédateur qui arrive pour manger les troupeaux, souvent du coup, ils sont autour, ils vont voir le danger arriver. Et vont pouvoir sonner la merde. Et donc c'est vraiment un mutualisme, un échange entre ces deux espèces. Alors c'est vrai que en France, malheureusement, ils sont des troupeaux de vaches, mais ils n'ont pas trop besoin de les protéger, parce qu'on n'a pas énormément de prédateurs en France. Il y a pas mal malheureusement contaminé. On a aussi les spatules qui sont arrivées. Alors c'est assez simple de les reconnaître. Hein. Ce qu'ils ont avec en forme de... Ceux qui sont à l'ombre sont un peu plus réveillés que ceux qui sont au soleil. Ah ouais, il y a un problème chaleur peut-être. Mais oui, parce qu'ils ont bien un bec en forme de spatule. Et là, ce bec en forme de spatule est très important pour eux, parce que pareil, ils sont souvent à chercher leur nourriture dans des eaux poueuses, où en tout cas on ne voit pas grand-chose. Et c'est un véritable défi pour eux de trouver leur nourriture grâce à ça. On a aussi le petit héron qui est au bord du bassin, là. C'est un oiseau magnifique avec des yeux rouges. Alors, on a aussi qu'on peut voir en France, mais c'est un oiseau très farouche, qui est très dur de voir à l'état naturel. Il faut se déplacer tôt le matin pour le voir. Il y a deux flamandes, un flamand du Chili, un flamand rouge. Alors là, le flamand du Chili est en train de dormir au pied de son arbre. Là-bas, au fond. Et l'autre qui est en train de défiler devant vous. Les flamands, des oiseaux très intéressants, passionnants. Ils ont un mode de vie assez particulier par rapport aux autres oiseaux. Ils vivent en grosse colonie jusqu'à 1 million d'individus. Ils font tout ensemble. Il a fait un retour à Dodo. Souvent, c'est un oiseau qui a de mauvaises réputations. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain temps, tout le monde aimait bien les vautours parce que c'était des charognards, ils pouvaient nettoyer justement les carcasses, aussi bien animales qu'humaines. Donc dans certaines religions, certains pays, c'était des oiseaux très importants. Et malheureusement, les mentalités ont changé avec les reportages. Certains oiseaux, justement, vu qu'ils mangent les morts, certaines religions ne l'aiment pas du tout. Ils ont fait malheureusement un martyr, donc avec ces oiseaux, on l'aime de moins en moins. Et sur les reportages, souvent, on montre au moment de la purée, ils sont en train de se battre entre eux. C'est un oiseau que malheureusement on ne trouve pas forcément si sympathique. Alors qu'il est très utile, c'est vrai que quand il y a la nourriture, il n'est pas forcément sympathique. Mais après, c'est un oiseau qui est vraiment utile et magnifique. Est-ce que vous avez une idée de son poids? 11 kilos. D'habitude, on est des 30, des 40 kilos, non, là, c'est bien plus 4 kilos. 5 kilos, donc il n'est pas énorme, hein. Il paraît très gros, mais il faut savoir que les oiseaux sont faits pour être légers. Déjà, ils ont des os creux, ils ont des sacs aériens, des plumes aussi qui prennent énormément de place. Il y a quelques-unes qui sont bien en hauteur, nos bilans aussi ont repris de la hauteur, là ça s'éclate. On va voir s'ils vont venir nous rejoindre, on a les pélicans aussi qui sont arrivés. Alors les pélicans avec cette poche gigantesque, est-ce que vous savez à quoi sert la poche du pélican? Pour l'eau. Quand il mange, d'autres idées, d'autres envies. Pour boire aussi. Ils s'en servent de sac de couchage. Non. Vous s'en servez encore un petit défaut, on donne des fausses bonnes réponses, mais là c'est plutôt des bonnes. Donc, la poche du pélican va servir à deux choses, elle va lui servir à s'alimenter,
Donc ça sert comme un filet, hein, une épuisette, qui peut contenir jusqu'à 13 litres d'eau, donc elle est très extensible. Il va attraper sa nourriture avec. Par contre, ça ne va pas servir à transporter les bébés, ça ne va pas servir à transporter de la nourriture. Là, je sais, les enfants, c'est dur, un grand Nemo. Quand on voit le pélican qui emmène Dory, c'est le papa de Nemo, c'est un dessin animé, c'est pas vrai. Il ne peut pas faire ça, il n'a pas cette force dans le cou pour le faire. Planète, aussi bien pour les animaux que pour nos enfants. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de visite. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Et rose... Je ne sais même pas quelle rose c'est un petit peu, tu sais. Rose du néon. C'est néon un peu, tu sais. Oui. Une note. Ah oui, les animaux de la fin de la vie. C'est trop mignon. C'est chou. Ouais. Là-bas. Oh, la tête. Elle fait la pose. Ça vient là. Ça vient là-bas. C'est bien, ça fait vite. Oh, c'est mignon ça, les chiens de prairie. Ah ouais. Regarde, tranquille, hein. Ouais. Il n'a pas peur. Hein. Il est propre, hein. Il brille bien. Ah, mais ils doivent se laver comme les chats. Regarde là. Comme à lui, il y en a une qui mange. Hein. Ah oui, tranquille. Il y en a une autre là. Voilà. Putain, elles sont cool, hein. Ouais, c'est tranquille. Ah, elles sont bien, là. Il y en a qui ont un petit aquarium, tu sais, avec une tortue dedans. Ouais. Les pins, quoi. Elles sont bien, hein. Elles ont de la laitue. Je crois que c'est de la laitue. Une verdure. Ouais, de l'eau. De quoi bouger un peu. Ah, il y en a plein de l'autre côté aussi. Cette espèce, loin d'être menacée, constitue une menace pour d'autres espèces. On parle d'espèces invasives. Ah oui, donc ça peut manger peut-être d'autres tortues. Elle mange du steak haché, les croissants jeunes et les poissons après. Ah donc elles sont carnivores. Ah dis donc. Vous êtes comme nous en fait. Ouais. Mmh. Je m'étonne qu'elles soient invasives. Vous êtes comme les humains en fait, pareil. Thank you.
Je sais pas pourquoi il y a marqué ne pas nourrir les hippopotames, parce que j'en vois pas. Des fois, ils leur changent de bassin. Ouais. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant dans ce petit... dans cette mare là. Il doit y avoir un truc. S'ils sont tous agglutinés dedans. Tu vois. Oh oui, il doit y avoir la nourriture. Ouais. En fait, ils sont trop bel endroit. Mais pygmée ici. Il est là-bas le marabout. Il écarte ses ailes. Ah oui. C'est comme une statue. Ils ont changé de place. Ah bah, sur l'autre côté, comme par hasard. Elles sont de l'autre côté, je vais les voir. Oh, c'est grand, hein, purée, t'imagines? Ah, c'est clair. C'est immense. Oh, tu vois, l'Afrique, c'est grand, hein. Un petit bout d'Afrique en France. Attends, on les trouve pas, là. Ah, si, c'est en là-bas. Ah oui. Là-bas. Mince. Ah, je suis perdue. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse le tour pour arriver jusque là-bas. Oui, tu paries combien qu'on va arriver là-bas? Elles seront venues par ici? Non. Pas rien du tout, parce que je crois que c'est ce qui va se passer. Voilà. Mmh. Elle est marrant. Hop là. Je pense qu'il doit y avoir des poissons, des trucs comme ça. Non. Oh, le camarade n'aura pas de cul. Bon, ben j'ai pas de cracotte pour vous. Ah non, j'en ai pas emmené non plus, tiens. C'est dingue comment ils se suivent. Hein. Oui. Il y en a un qui va à contre-courant. Ah, il est pas bien lui. Combien ils sont heureux là. Il y en a un qui va par là, les autres le suivent. On dit que c'est bête les poissons, je sais pas. On va aller voir les poissons. Leur donner du popcorn. Ouais. Ouais. Attends, Samy, on va y aller tout à l'heure. Allez, ben. On va aller voir les vaches et les cochons. Jusqu'à 2 tonnes, le mâle libre. Les vaches et les cochons, ils sont une mesure 5,50 m et la femelle est 4,40 m. Imagine, elle se fait un petit galon, on va voir. Je sais pas si ça va quelque chose là-haut, il y a quoi. On va vers là-bas, de toute façon. C'est là-bas qu'il y a le parcours. Une porte à boue. C'est pour rentrer, ça va arriver bientôt là. Elle est où, t'es ça? Elle est avec la carrière, ça va être mais c'est bizarre parce que t'as pris. C'est ce qu'elle a ici. Les trois dans le fond. Bah c'est ça, par grand c'est Reviens. C'est bien pour les gens qui sont pas trop loin ou qui dorment pas loin, tu vois. Ça va, c'est assez grand pour eux quand même, n'empêche qu'ils ont assez d'espace.
là ou pas? Je ne sais pas du tout. Dans les yeux fixés là, il y a un truc. C'est là. Ça ressemble à ça, un lama? C'est ça, c'est un guanaco, mais c'est un lama. Ah oui, d'accord. Sa mère va lui piquer son... Allez, fais gaffe. Ouais. C'est une maman. Oui, maman, c'est sa mère. Ouais, les autruches. C'est pas des autruches, c'est une grande chose. Comment ça s'est fait mal? Oui. Elle est gracieuse. Plein de plumage, madame. Hein? Donc. Ah bah désolée, j'ai plus de pourquoi. Hein. Des sacrées défenses. Enfin, un peu petite, mais je pense que ça doit faire mal quand même. Ça cherche... Les truffes? Bah ça... T'as vu, c'est des dents hein, qu'ils ont. Ce qu'il y a devant, là. C'est pas des cornes, c'est des dents. Ouais. Pas des... Ça mange pas de popcorn ces trucs là. Non, non. Je viande. On dirait les trucs de base de fourmilier, tu sais. Il n'y a pas de truc, tu sais, petit détail, ce que c'est. Elle est où la plante? Est-ce qu'elle est là? Mandou. Ah, par contre, les cochons d'eau, ils sont là-bas. On les verra pas trop. Donc c'est eux qui aiment bien les fourmis, c'est ça? Je suis pas sûre. Animal méfiant et solitaire qui vit principalement la nuit. Tu m'étonnes qu'il est en train de faire dodo là. Il est souvent confondu avec le fourmilier ou le tamanoir qui lui se nourrit de fourmis. C'est ah ça. Voilà. En fait c'est pas lui. Je croyais que c'était lui. Mais non. Bon, moi, je pense que je vais avoir une petite entorse. J'ai l'air de petit. Oh ma pauvre. Ouais, j'ai mal. Et quand j'ai mal. T'as mal, ça j'ai c'est mal, sûr. Voilà. Je me serais juste foulée à moitié de plus pour arrêter, mais là, j'ai mal. Et je m'amuserais à mettre la bande que j'ai à la maison. Arrive voilà. La pommade, puisque j'ai... Thank you.
De quoi, des canards hein? Non, non, le maquis. Ah oui, d'accord, maquis, oui, il y en a qu'un, ça voit qu'un en tout cas. Il y en a peut-être d'autres, mais ils doivent être bien cachés par les branches. Bonjour. Eh ben, vous êtes beaux les signes noirs aussi, hein. Et est-ce que vous êtes aussi méchant que vos cousins les blancs là? Pourquoi? C'est un canevert, lui, non? Alors là, j'en sais rien, je connais rien en canard. Hein. Dans quel arbre? Alors pas des chênes, tu vois, parce que les chênes c'est plutôt des arbres européens. Dans quel arbre vraiment en Indonésie? Les gibbous-salangues. T'as vu son son? Regarde, il y en a un. Regarde, il manque des arbres. Une fiche, ouais, mais tu pourras noter sur une fiche et revenir. Revenir. Génial. En vrai, tu veux le voir. C'est des vrais, mon chat.